On a reçu un coup de fil des États-Unis, Schoolly D, je crois, qui nous appelle les States. Ça vient de loin, donc on va recevoir notre frère. Et puis voilà quoi. On va continuer les news avec mon frère. Ouais, on y va. Peace, peace. Peace, Schoolly D, what's up? All right. Welcome to Abidjan, West Africa. Well, yeah, I'm outside Africa. They'll bring me all the way. All right. So it's an honor to have you on air. Yeah. Yes, it's my honor. So Schoolly D, j'explique rapidement. Schoolly D, I'm gonna explain who Schoolly D is in French, ok? Please hold on. Schoolly D, c'est un rappeur, c'est le premier rappeur qui a commencé, on peut dire, le gangsta rap dans le milieu du hip-hop. Un de ses titres qui est reconnu, c'est PSK. Qu'est-ce que ça veut dire? On va jouer ça tout à l'heure encore. Et il appelle juste pour soutenir la radio, pour soutenir le mouvement hip-hop. Et Schoolly D, can you please tell us hip-hop, what does it mean to you? Hip-hop means almost everything to me. It's my culture. It's how I feed my children. It's my voice. How I express myself. How I got the world to see black men, American black men, in a totally different light. It's my voice. It's my playground. So it is everything. It's how I keep people smiling and thinking and dancing. I was put here. Ok, donc si je comprends bien, il a dit le hip-hop c'est tout, hein, ça réunit tous les hommes noirs, la famille, c'est toute la communauté. Au fait, le hip-hop c'est le monde entier, si je comprends bien. So, hip-hop is everything. La culture. La culture. Everything. Everything. Almost everything. That's almost everything. I have two children. They're everything. Ok. All right. So, any shout out you would like to give to the people here in Ivory Coast? Any special message you want to give to the hip hop movement out here? I'm always very happy when I hear people from Africa when they come to the United States and they know me. I'm extremely proud to be part African, and I would love to come to Africa and represent African Americans. And I would love to learn how to dance. Can I come? Can you teach me to dance? Ok, donc Schoolly D, il aimerait bien venir ici en Afrique et voir la culture africaine et aussi représenter les Africains américains là-bas, mais aussi il voudrait savoir est-ce qu'on peut lui apprendre à danser. C'est ce qu'il vient de demander. Yes, no problem, man. Just make sure you come here. We will show you all the dances. Zouglou, coupé-décalé and all that. Yeah, don't think that they're bringing down to Ivory Coast. Yes. 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 Please, soon. I need it. Okay, no problem. So, okay, thank you very much. Thank you for calling. All right, can I go back to sleep now? Yes, yes. Il veut dormir parce qu'il fait tôt là-bas, donc il dit il va se coucher maintenant. Okay, thank you. Peace. Ok, on était avec Schoolly D qui appelait depuis les États-Unis avec mon frère Franko de Côte d'Ivoire Hip Hop Initiative qui traduisait. Voilà, Schoolly D, c'est comme il a dit, c'est l'un des précurseurs du gangsta rap. Voilà, Schoolly D nous a appelé pour nous booster, pour nous dire bonne continuation. Il soutient le hip hop. On va jouer sans plus tarder un son de Schoolly D. On avait déjà joué un son, What Does It Mean? Mais on va jouer un autre son qui est issu d'une compilation qui a été produite, réalisé par un Ivoirien vivant au States qui s'appelle Superfly. Le titre c'est Drums. Donc on écoute Schoolly D.